Yo les gens, salut à tous, y'a Salam Alex mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ce qui va suivre la semaine prochaine, c'est quelque chose qui j'espère vous fera plaisir. Mais ça sera qu'une fois, d'accord? Ça sera avec Kingstar, la semaine prochaine je vais live avec Kingstar, selon ses disponibilités. Mais on s'est mis un peu d'accord justement parce que cette semaine il sera pas trop disponible. La semaine prochaine, ça pourra être quelque chose qui pourra se passer sur ma chaîne YouTube. Donc c'est la semaine prochaine, vous me voyez avec Kingstar, n'hésitez pas de what the fuck, ça etc. Ça sera le vrai Kingstar. Et puis voilà, ce qui va être marrant c'est qu'en fait, t'as un joueur professionnel et t'as un gros déchet. Et ce qui va être bien, c'est le fait de mourir, de pouvoir se faire réanimer sans se faire soucis. Ça va être quelque chose de bien. J'espère que la nouvelle, déjà, par rapport à ça, elle vous plaît. Si elle vous plaît, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça me ferait énormément plaisir. S'il vous plaît. Ça, si elle vous plaît, s'il vous plaît. T'as compris? Rigole. Non, je rigole. Ça, le PC que j'ai actuellement, si je vous fais aussi cette vidéo, c'est pour vous parler un peu de changement de ce qui va se passer. Le PC que j'ai actuellement, il va changer. C'est-à-dire les deux GeForce GTX 1080 Ti, elles vont changer parce qu'en fait, j'aurai les dernières GeForce 2080 qui sont sorties. Et j'en aurai deux. J'aurai deux cartes graphiques, je sais. Oui, ça sert à rien, etc. Bon, je connais la musique, je connais le violon. Mais j'en ai quand même deux. D'accord? Comme on dit, vaut mieux toujours en avoir plus que pas assez. Tu vois ce que je dis ou pas? Donc voilà. Black Ops 4 qui sort très bientôt. Black Ops 4 qui sort très bientôt. Là, normalement, jeudi, je fais un live avec le Bouzeux sur sa chaîne respective Twitch et moi, justement, sur ma chaîne YouTube. Et ça va être quelque chose de super bien. Parce que là, on va vraiment se donner à fond sur Call of Duty. Ça va être quelque chose aussi, quelque part, un nouveau départ, bien sûr. En sachant que là, Fortnite, je pense que ça a cassé les couilles à tout le monde. Moi, en premier, je pense que vous le savez tous aussi. Si aujourd'hui, je fais aussi un peu Fortnite, c'est pour suivre la tendance. En sachant que c'est un jeu qui marche bien. On a essayé l'autre fois des jeux comme Outlast, etc. Un jeu qui marchait ultra bien sur ma chaîne YouTube. Et d'ailleurs, je vous en remercie. Donc, on n'est pas perdu. Ça veut dire que même si je propose un autre jeu que Fortnite, on sait que ça marchera. D'accord? Mais j'ai quand même pris mes précautions, sachant que sur Fortnite, je gagnais plus d'abonnés, justement, que par rapport à un jeu comme Call of Duty ou même Outlast. D'accord? Donc, voilà. Et puis voilà, j'ai tout simplement hâte de vous faire partager tout ça. J'ai vraiment hâte de me taper la honte devant tout le monde, devant 15 000, 16 000 viewers avec Kingstar. Alors, pour les gens qui ne savent pas aussi par rapport à Kingstar, c'est quelqu'un que je taquine très beaucoup. Quelqu'un que je taquine pas sur Twitter, c'est quelqu'un que j'aime pas. Je comprends, quand tu taquines quelqu'un, c'est-à-dire c'est ton beau poteau. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et par rapport aux phrases que vous, certains, pensent racistes, etc., si Kingstar penserait que ça serait raciste ou c'est de trop, Kingstar, je pense que c'est un très grand garçon. Il viendrait en privé, il me dit, ah ouais, franchement, moi, je veux bien que tu vannes ma soeur, mais pas ma mère. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Même, c'est façon de dire. Mais je pense que tout ça pour vous faire comprendre que s'il veut dire quelque chose, il le dira lui-même, d'accord? Donc voilà. Et puis voilà, je pense que c'est quelque chose de cool avec Kingstar. C'est quelque chose de cool. Moi, c'est la première fois que j'ai joué avec lui. Bon, j'ai déjà vu ses démonstrations. À la base, Kingstar, c'est quelqu'un que je connaissais pas. Jusqu'au jour. Kingstar, je l'ai découvert quand il s'est frité avec. Comment il s'appelle? Ninja. C'est à ce moment-là que je l'ai connu. Avant, je ne connaissais pas. J'avais ni. Et dès que j'ai vu un petit chinois, tout ça, je dis. Hey, tiens. Dès que j'ai entendu dire. Dès que j'ai entendu dire ça, je dis. Ah, il me plaît bien lui. Voilà, dès que j'ai dit, une fois j'étais sur son live, j'ai dit, ça va Kingstar, il m'a dit, qu'on lit choix, t'es cas, on raconte tout de suite. Il parle tout de suite sa langue natale, tout de suite ça fait refaire surface dans sa tronche, là, tu vois. Non, ça. Et puis, ouais, ça quelque chose de cool. J'ai vraiment hâte de vous proposer ça la semaine prochaine, avec Kingstar. Et puis, pas de moquerie, par contre, faites pas des bâtards. Mais on espère apprendre un peu de lui. Et puis, on va faire comme lui. Les qu'on va ramasser le full bois, on va en enlever un. Pourquoi tu fais ça, Jared? Ouais, c'est parce que je suis devenu un professionnel, c'est pour ça. Non, et puis, non, et puis voilà. En tout cas, j'espère que la nouvelle vous a plu, les gars. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me ferait énormément plaisir. Nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Demain, nous sommes mercredi. Demain, on va live avec le Bouzeux à 13 h. Donc, à 13 h, rendez-vous sur ma chaîne YouTube, en compagnie de l'Otta, de le Bouzeux. Et puis voilà. Je vous fais plein de boussa. Et puis, ah oui, en ce qui concerne le PC que j'aurai, le nouveau PC, je vous le ferai montrer. Hein. Donc là, il est en train de se faire monter par des. Par le mec tout à l'heure qui est venu chez moi, je pense que vous l'avez vu. Donc il est venu chez moi pour me dire voilà où est-ce que ça avançait, où est-ce que ça avançait. Il m'a rien fait montrer du tout. Mais tout ce que je sais, c'est que vous aurez un aperçu samedi. Samedi, si je me trompe pas, vous aurez un aperçu du nouveau PC gaming. Et ça va être quelque chose de cool. Et puis si certains me posent des cas, pourquoi tu rechanges de PC alors que ton PC il est ultra suffisant et ultra puissant. C'est juste que tu sais, comme on dit, quand il y a une mise à jour des nouvelles cartes graphiques, tu sais, vaut mettre à jour. C'est comme YouTube, parce que quand c'est en tendance, il faut être en tendance. Si t'es pas en tendance, tu seras derrière les autres, tu te dis putain, tu sais ce que je dis ou pas? Et aussi selon les moyens. Si tu peux, tu fais, si tu peux pas, tu restes à ta place. C'est vrai ou pas? Non, mais c'est vrai en plus, remarque, c'est vrai. Si tu peux acheter un truc, tu peux, tu te permets, si tu peux pas, tu as fait.
Fais pas le faux riche, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc voilà, sans les jouer sur cette fin, yard comme ça, force comme, et on se retrouve très prochainement. Ciao, ciao les ré. Ciao. J'ai maigri, tu les as joués. Et encore, je suis pas rasé.